Dans cet épisode-ci des critiques d'Oumas, il sera question de Firewatch, un jeu qui pose la question particulièrement intéressante à notre époque où la technologie est partout, de savoir précisément pourquoi les gens ont envie de danser comme ça en étant dans un ascenseur, en plus pourquoi ils auraient envie juste après ça d'aller faire une randonnée virtuelle là où la technologie est partout, pourquoi chercher l'émerveillement de la nature dans une boîte en plastique, la question se pose. Or, si les randonnées virtuelles existent dans le domaine vidéoludique, elles sont certainement beaucoup plus virtuelles que du domaine de la randonnée. C'est de ça dont il sera question dans cet épisode-ci d'une émission de critiques vidéoludiques venue de Belgique qui s'appelle Je vous le rappelle. On parle souvent du clivage qui existe encore et toujours entre les gens qui parlent du jeu vidéo, les gens qui font du jeu vidéo, les gens qui vivent du jeu vidéo, les gens qui meurent du jeu vidéo. De l'autre côté de l'écran, vous avez ces créations vidéoludiques dont le personnage principal peut faire tourner l'intégralité de l'univers sous sa voûte plantaire si jamais il en a envie, en faisant des petits pas comme ça où il fait tourner la planète sous ses pieds. Or, le jeu qui vous est ici présenté n'est probablement pas très réussi en termes purement vidéoludiques, mais c'est une histoire relativement intéressante. Cependant, j'aurai quelques incroyables bémols à proposer, mais on y arrivera en temps et en heure, car ici, les question d'un jeu qui s'appelle Firewatch. C'est un jeu Camposanto, publié par Panic, une compagnie connue pour la qualité de ses softwares FTP pour macOS X, qui sont bien entendu payants et qui ont donné la possibilité à ces petites compagnies de soudain se dire « Je vais sortir un jeu », ils se sont dit « Et si jamais on allait éditer le jeu de ces petits jeunes qui font le site Idle Thumbs ?» Ils ne sont pas nécessairement petits, ils ne sont pas nécessairement jeunes, ils font encore et toujours Idle Thumbs. Vous avez donc maintenant la possibilité de regarder de belles frondaisons à Los Angeles dans un univers qui vous est créé avec toute la incroyable virtuosité de gens qui ont après utilisé Unity il y a à peu près 2 semaines et que maintenant ils ont une compagnie incroyablement professionnelle pour pouvoir faire leur jeu, alors même qu'il fut un temps où leur site était particulièrement réussi, c'est probablement toujours le cas, et que j'écoutais dessus de magnifiques podcasts qui m'informaient sur des manières de réfléchir à la manière dont il était possible de marier narration et jeux vidéo dans cette question vidéoludique qui nous intéresse ici, car la compagnie que vous avez sous vos yeux, c'est grosso modo Idle Thumbs, la version on s'est payé des gens, on va faire des jeux, et les jeux qu'ils ont décidé de faire jusqu'ici, bah, c'est un peu Gone Home version numéro 2 avec même Chris Remo, et que vous jouez un garde forestier qui a vu du soleil dans le ciel et que décidément il a vu du soleil dans le ciel et qu'il se dit non, du feu au feu, car décidément ici vous jouez un homme qui s'appelle Henry. Henry, c'est un type, sa femme, elle a la maladie d'Alzheimer, elle a donc décidé d'être démissionnaire par rapport à ses responsabilités et d'aller être garde forestier où il doit donc voir des incroyables feux avoir lieu et ces incendies, il ne peut pas les arrêter car il est beaucoup trop petit, mais il peut dire où ils sont et donc prévenir les gens qu'il faut aller s'enfuir ou qu'il faut peut-être envoyer les pompiers et des choses comme ça. Votre particulier arsenal se comporte d'une boussole et vous avez aussi la possibilité d'utiliser un walkie-talkie pour parler à une fille qui s'appelle Delilah. Delilah est très sympathique, elle vous rappelle le fait que décidément il y a quelque part une femme qui a oublié que vous existiez et des choses pseudo-profondes comme ceci et comme cela. Cela n'a pas beaucoup d'importance. Simplement remarquons ceci, c'est un jeu qui est réalisé et dirigé par Jake Rutkin, le cofondateur d'Idle Thumbs avec Chris Remo. Chris Remo, il s'occupe de la musique, il avait rempli le même rôle sur Gone Home et peut-être que si vous avez envie de voir lequel des deux est le meilleur, j'aurais tendance, si vous avez aimé ceci, à ce que vous jouiez à Gone Home, car vous y verrez alors un scénario qui a quelque chose à voir avec le protagoniste de l'histoire. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Donc, Jake Rutkin, à la base, c'était un graphic designer, il est scénariste aussi, il s'est essayé au game design avec la série Telltale de Walking Dead, et donc ce titre ici qui s'appelle Firewatch, ce qui veut dire la montre de feu en québécois, comme vous le savez certainement. C'est sa première tentative solo dans ce domaine. Le game design est réalisé par Nels Anderson, le lead designer de Mark of the Ninja, et James Benson, un animateur plus connu pour avoir aussi participé au design d'Ori and the Blind Forest. C'est programmé par Will Armstrong, Paolo Suricchio, Patrick Ewing, vous savez, le frère de Bobby, et Ben Burbank, sur base d'un scénario de Sean Vanaman, un mec d'Idle Thumbs, lui aussi, qui est pro-project leader, non pas co-pro-project leader, ce qui voudrait dire qu'il mange les cacas des project leaders, mais bel et bien un co
Project Leader, ce qui veut dire bien entendu qu'il est aussi l'autre homme dont on peut considérer qu'il lead le project. Je vois que vous me suivez. Il était à la base, bien entendu, un pote de Jake Rutkin qui lui aussi était sur Idle Thumbs, et comme vous pouvez vous en douter, vous pouvez chaque semaine aller écouter leur podcast où ils font la promotion de leur jeu et que c'est très intéressant, et que vous savez, ils ont aussi travaillé sur Gone Home, donc ils ont un sacré CV et tout ci, tout ça. Et ce que j'aimerais simplement vous dire avec ce jeu-ci en particulier, c'est que d'accord, d'abord, les randonnées virtuelles, ça n'existe pas. Soit vous faites une randonnée, soit vous jouez à un jeu. Et si le jeu auquel vous jouez, c'est celui de dire que, oh, dehors, il y a de la beauté et que vous allez la voir à travers une boîte, posez-vous la question aussi de savoir si l'histoire qu'on vous y raconte a quoi que ce soit en commun avec le protagoniste qui la vit. Car, grosso modo, je ne veux pas être particulièrement dans le monde du spoiler ici, je vais simplement vous dire que c'est l'histoire d'un homme, il évite ses responsabilités, et au fur et à mesure qu'il discute avec une femme, il se rend compte que, décidément, il a des responsabilités, et il se passe quelque chose autour de lui. Quelque chose autour de lui où, soudain, des gens, ils font exploser des feux d'artifice dans cette incroyable brousse particulièrement sèche, donc il se dit, il va y avoir un début d'incendie, or je suis garde forestier, je dois essayer de les éviter, et soudain, voilà, ces demoiselles que vous allez maintenant rudoyer parce qu'elles font des feux qui ne sont pas permis, et qu'elles bruavent du whisky, et que se disent, nous sommes des filles de la nature, nous allons faire des incroyables folies sans nos bikinis, et il se dit, voilà, pourquoi est-ce que je me fatigue à faire tout ceci, alors même que j'ai des responsabilités, et que grosso modo, on ne peut pas nécessairement avoir une quelconque forme d'influence sur la manière dont il vit sa vie, c'est un des problèmes du titre, et que de l'autre côté, ce qui se passe n'a absolument rien à voir avec l'histoire qu'on vous raconte, qui est grosso modo une diversion, et ça fait sens, parce que le jeu vidéo est censé être une diversion, mais si c'est censé être une diversion, c'est censé être une diversion qui a un sens, où on essaye de créer, vous savez, des paraboles narratives qui nous permettent de tirer des terribles conclusions sur l'histoire de la vie, les terribles problèmes que c'est d'être un humain et des choses comme ça, tandis qu'ici, grosso modo, vous avez une randonnée virtuelle qui dure quoi, 6 heures, qui coûte 20 euros, dont le scénario, il est plutôt bien écrit, les dialogues sont particulièrement bien lus par Rich Summer, vous savez, de Mad Men, et Cici Jones, dont je ne sais pas d'où elle vient, mais elle fait un putain de travail, donc on peut considérer que c'est bien écrit, c'est bien joué, on peut considérer que c'est un jeu, parce que la notion même de la question vidéoludique est en train de se diluer sous les efforts des coups de boutoir relativement faiblards des gens qui ont oublié qu'un jeu vidéo est censé aussi être une action ludique, voyez-vous, une action ludique, et pas simplement la tentative narrative d'un type que c'est certain, on ne pense pas qu'il aurait été beaucoup plus publié en dehors du jeu vidéo, et que peut-être que c'est le cas, et que dans ce cas-là, ce n'est pas très grave, mais que si vous avez envie d'écouter des belles histoires, il existe des audiobooks, vous savez, ces incroyables livres que vous pouvez mettre sur votre audio baladeur et que vous pouvez écouter quand vous êtes dans une maison de retraite. Et si vous avez envie de jouer à des jeux, il existe des jeux, et j'aurais tendance à considérer que Gone Home dans le genre est un exemple un peu supérieur de la même idée, même si celle-ci est encore particulièrement valide. Faut juste, être vieux, avoir envie de balancer le boombox de teenager dans un lac et de se dire que peut-être c'est vous qui les avez tués, peut-être qu'elles sont mortes, peut-être qu'elles sont pas mortes, il s'est passé quelque chose, quelqu'un est mort, mais qui est la question se pose, et à la fin on se demande surtout, mais à quoi bon s'y intéresser en gros.